on holiday. Put your drinks in the air. It's time. Sean Rock. Excusera nos amis de la technique, horaire matinal hein, ce matin, mais tous en pleine forme bien évidemment, excusez-nous pour ce léger retard. Vous vous souvenez, hier on a bien planché, on s'est bien détendu aussi, superbe gala évidemment, en l'hôtel de ville, lieu inoubliable de la place Stanislas. Voilà, ben on va essayer de prolonger studieusement. Aujourd'hui, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Et vous connaissez la boutade de Blanchard Blanchet qui disait, vous avez raison, regardez les éboueurs. Il n'empêche, on va donc plancher ce matin avec trois figures aujourd'hui de l'architecture urbaine, de l'urbanisme. Avec donc Jean-Marie Dutilleul qui va nous rejoindre dans un instant, avec Michel Cantal Dupart, avec Cédric Vision et puis avec Patrick Rimoux, sculpteur lumière, vous verrez qu'il fait des choses assez exceptionnelles. Et puis tout à l'heure, dans une grosse heure, eh ben, nous nous plongerons sur la problématique des centres commerciaux en centre-ville. Voilà ce qu'apportent les centres commerciaux aujourd'hui en centre-ville. Il y a des choses assez étonnantes qui sont en train de se faire. Voilà, on passera tout ça en revue avant le déjeuner. Donc voilà, on entre tout de suite dans le vif du sujet. J'appelle pour donc venir nous en parler. J'appelle donc Jean-Marie Dutilleul, architecte et ingénieur. Venez me rejoindre. Michel Cantal Dupart, urbaniste architecte. Et puis Cédric Vision de chez Cashflow, qui est consultant en prospective commerciale. J'appelle aussi Patrick Rimoux, qui est sculpteur lumière, artiste contemporain. Venez me rejoindre. Des choses tout à fait étonnantes pour donc nous livrer leur vision de la ville, installez-vous, leur vision de la ville, leur témoignage avec leur expertise. Bonjour à vous tous. Voilà, installez-vous, pas vite, n'hésitez pas sur le banc. Jean-Marie Dutilleul, est-ce que vous voulez me rejoindre? Tiens, finalement, vous êtes assis, mais je vais vous faire relever. Oui, je sais, c'est ça. Aussi, d'être de bon pied le matin. Normalement, les micros sont mis. Venez me rejoindre pour donc voir ce que vous nous avez concocté. Hein. Donc, vous avez créé aujourd'hui votre propre structure hein, depuis quelques mois, mais vous avez donc été l'homme fort hein, à la SNCF à travers la REP, le bureau d'études et d'ingénierie, mais si vous êtes trop modeste, de la SNCF qui était spécialisée dans la conception des gares. Hein, et vous en avez réalisé beaucoup. On va le voir, bien évidemment, à travers votre présentation. Prenez le petit pointeur. Voilà, comme ça, vous pourrez faire défiler les slides. Vous avez livré votre dernier chantier, qui était la gare Saint-Lazare. On va y revenir aussi. Et puis, bien évidemment, vous êtes partie prenante urbaniste sur Nancy Grand Cœur, dont le maire de Nancy, hier, M. Rossineau, nous a détaillé les grandes lignes. Voilà, la parole est à vous. Je vous propose que nous démarrions, peut-être avec un petit mot d'introduction, et puis après, donc, les slides que vous allez pouvoir faire défiler et donc commenter. Voilà. La lumière est un peu forte, je sais, mais c'est parce que nous sommes filmés. Ne vous inquiétez pas, la salle est toute oui. Non, parce que je ne vous vois pas. C'est toujours gênant de parler à quelqu'un qu'on ne voit pas. Il vous voit. Bon. Ne vous inquiétez pas. Non, surtout qu'on m'a dit que vous alliez dormir parce que c'était le matin. Oui. Et qu'il ne fallait pas parler plus de 10 minutes. Oui, non. Parce que parler 10 minutes d'architecture, c'est déjà énorme le matin. Donc, j'ai préparé juste un petit truc très court. C'était les conseils d'Arnaud Fleury. Donc, bon, enfin, je vous ai dit que vous pouviez plus que je vous livre. Un bon quart d'heure quand même. Hein. Allez, allons-y. Si alors, peut-être un petit mot d'introduction. Bien, chef. Un petit mot d'introduction. Donc, on a envie de parler de l'architecture. Et, bon, l'architecture, ça n'est jamais que l'art d'organiser l'espace pour les gens de notre époque, ou d'une époque en tout cas, et en l'occurrence la nôtre. Je vais vous montrer, puisqu'il a parlé des gares, parce que je pense que vous n'en avez pas beaucoup vu encore, et parce que je voudrais attirer l'attention sur deux changements assez radicaux sur la façon dont vivent les gens de notre époque dans la ville. Et ces deux changements, c'est la manière de s'y déplacer. Et la deuxième, c'est ce qu'ils font en se déplaçant, la manière d'y communiquer, notamment. Bon. La façon de se déplacer, vous savez qu'on est en train de sortir de la guerre des modes, qui était une guerre larvée qui s'est passée pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle,
où les différents modes de transport se faisaient la guerre. Donc, on a cru d'ailleurs qu'étaient vainqueurs de cette guerre la voiture et l'avion dans les années 80, et qu'étaient terrassés le tramway, le train, le vélo, etc. Et puis on a vu revenir, y compris à Nancy, le tramway, on a vu revenir le vélo, on a vu revenir le train, un peu plus rapide qu'avant. Et les gens se sont petit à petit mis à se dire, mais dans le fond, la vitesse, ce n'est pas seulement ce qui va nous procurer le bonheur. D'ailleurs, il y a deux dates assez extraordinaires, enfin deux dates qui sont assez frappantes. Vous savez qu'en 1974, on a lancé le Concorde. C'était l'avion supersonique qui allait transformer le monde. Ouais. Et on a mis à la casse le Plaque Vaufrance. Exact. Et Michel Sardou a chanté cette chanson mémorable. Voilà. Et en 2004, on a mis à la casse le Concorde. Il est maintenant dans un musée. Enfin, dehors. Et on a lancé le Queen Marie II. Voilà. Et on est reparti en croisière. Et finalement, ceci est un peu illustratif de la façon dont les gens se sont mis à bouger dans la ville, à rebouger dans la ville, à ne plus penser qu'à la destination, mais à penser au trajet et au plaisir du trajet. Voilà. Et quand on parle du commerce dans les centres-villes, je pense que c'est faut avoir ça en tête, cette idée que c'est le trajet qui enrichit les gens. Alors en plus, deuxième changement, à peu près à la même époque, on s'est mis à avoir toutes sortes de bidules portables. Donc on est devenu connecté. On est devenu complètement connecté, c'est-à-dire qu'on peut vivre dehors, on peut faire à peu près dehors, à peu près tout ce qu'on fait chez soi. Y compris en marchant. Y compris en marchant. D'ailleurs, on a vu apparaître dans les centres-villes des sacs à dos. Un truc incroyable. Il y a 15 ans, vous voyez un type avec un sac à dos dans un centre-ville. Vous dites, tiens, il revient de la Tarentaise, il est en randonnée. Aujourd'hui, c'est devenu courant. Bon. Donc, sac à dos. Et puis, on a son ordinateur, on a son appareil portable. On peut téléphoner à ses copains, on peut jouer, on peut faire ses courses sur Internet, etc. Donc, on est habitué à s'asseoir un peu partout pour travailler, discuter, jouer, etc. à distance. Et donc, le trajet est devenu non seulement intéressant, mais utile, enrichissant. Et donc la façon dont on circule dans la ville a complètement changé. On retrouve le plaisir de la promenade. Voilà. Donc deux changements qui changent complètement l'architecture. Et on voit apparaître dans l'architecture des grands mouvements, comme par exemple le fait qu'on conçoit de plus en plus d'espaces qui ne sont plus monofonctions, mais polyfonctions. On va au cinéma, mais en fait, il y a des restaurants. On va en restaurant, mais en fait, il y a des bibliothèques dedans pour lire, etc. On va dans une librairie, mais en fait, il y a... Et on le voit dans les gares, bien évidemment, qui sont le symbole. On voit dans les gares. Cette transformation, oui. Voilà. Donc, les gares sont devenues donc des espèces de nouvelles places publiques. Au Moyen-Âge, les places publiques étaient au carrefour de toutes les rues. Les rues aujourd'hui, ce qui joue le rôle de rue, ce sont les modes de transport, les tramways, les taxis, les métros, les RER, qui convergent tous forcément vers l'endroit, vers l'une des portes de la ville, qui est la gare. Et donc la gare s'est transformée en une espèce de grande place publique, aux limites d'ailleurs assez floues. La gare s'est devenue un territoire. On voit bien d'ailleurs que quand on travaille sur Nancy Grand Cœur, on nous dit, voilà, vous mettez la gare dans la ville et la ville dans la gare, mais en fait, on travaille de la gare jusqu'à la place Charles III, qui est le centre avec sa place du marché et son centre commercial Saint-Sébastien et toutes ses boutiques dans les rues avoisinantes, le centre du commerce de tas de gens qui sont à un quart d'heure à la ronde. On va en train régional à 10 minutes, puis on prend un vélo ou une voiture et on est à un quart d'heure du centre-ville. Absolument. Oui. Donc ces gens sont multimodes, connectés, etc. et se baladent. Et l'architecture donc, prend ça en compte. C'est-à-dire que, comme je le disais, on peut tout faire partout. Vous vous souvenez, il y avait cette pub il y a quelques années pour un ordinateur portable et il y avait à gauche, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes toujours relié au bureau. Et à droite, il y avait écrit, la mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes toujours relié au bureau. Voilà. Donc, on peut tout faire partout, l'architecture le prend en compte, le confort dans les espaces publics change. On voit apparaître des espaces semi-ouverts, semi-couverts. Les centres commerciaux réfléchissent beaucoup à se transformer un peu comme des gares, sans les courants d'air, oui, mais moins climatisés, plus de nature, etc. On voit apparaître des espaces très transformables, une sorte de loft,
qui aujourd'hui s'adapte à cette demande des gens qui passent, demain s'adapte à d'autres, etc. Et donc, je vous montre quelques espaces de gare, parce que je vais largement entamer mes 10 minutes. Non, ne vous inquiétez pas. Et les gens dans le noir vont s'endormir. Donc, je passe très vite. Ne vous inquiétez pas. Un certain nombre. Non, vous pouvez vous arrêter pour ce qui vous semble effectivement symbolique et illustrer, évidemment, ces nouvelles tendances. Voilà. Alors. Donc, je vous montre quelques endroits. Saint-Lazare, c'est un exemple assez frappant. C'était un lieu dit fonctionnel qui dysfonctionnait, puisque toutes ces gares parisiennes construites au 19e avaient été littéralement branchées par toutes sortes de tuyaux, couloirs, avec le métro. Et elles dysfonctionnaient, c'est-à-dire que les gens, les 500 000 personnes qui passent par jour, puisque c'est 500 000 personnes jour, la gare Saint-Lazare, c'est la deuxième de Paris après la gare du Nord, était devenue un lieu dysfonctionnement et insipide. Donc alors là il faut passer comme voilà, ça. Voilà, ça. Non, attendez, non, pas trop vite, voilà. Vous pouvez attendez, un peu. Voilà, vous faut que je me fasse à la machine. Voilà, à gauche il y a écrit en haut gare, en dessous commerce, en bas métro. Ça c'est la fin du XXe siècle. Et à droite il y a écrit gare et commerce, ville et commerce, commerce et métro. Voilà. Tous les commerces ont envahi la gare sur trois niveaux. On a agrandi la salle des pas perdus vers le bas, parce que cette gare avait été agrandie à gauche, à droite, au-dessus, on a fini en dessous, et on a organisé donc sur l'ensemble des niveaux qui rejoignent le train en haut, la rue en bas et le métro encore en bas, à la ville. Voilà. Et tout ça, effectivement, Jean-Marie, en gardant ce puits de lumière qui sont les caractéristiques des gares parisiennes, en créant. C'était les fameuses verrières. Donc ça, c'est un des autres aspects de l'architecture contemporaine, c'est la nature partout et donc le soleil partout. Ouais. Et c'est vrai que ces gares avaient souvent ces verrières splendides, hein, comme celle de la gare de l'Est. Voilà, qui n'éclairaient que les trains. Mais qui n'éclairaient que les trains. Voilà, et les gens qui étaient dans les commerces n'avaient pas le droit d'être sous la lumière. Or, la lumière, c'est ce qui fait la ville. La lumière, le ciel, c'est ce qui fait la ville. Si je suis sous le ciel, je suis dans la ville. Voilà. Donc, un élément d'architecture contemporaine fort. On reprend le patrimoine qui existe et on le transforme pour la vie contemporaine. L'architecture organise l'espace pour les gens d'une époque, voilà. Pareil à la gare de l'Est, quand cette voûte en pavé de verre était en fait le cœur de la gare, mais c'était l'endroit où l'on déposait ses bagages, ce n'était pas le hall de la gare qui était coupé en deux. Mmh. Il a été, on a redessiné l'ensemble des accès du métro pour... ça marche pas mon truc là ? Si, ça marche, allez-y. Pour créer ce centre de la gare, cette place publique couverte. Une autre grande place publique couverte qu'on a eu l'occasion de faire, c'est la gare de Shanghai Sud. Alors là, on change de dimension presque. Hein, c'est... Oui, très simple. Ouais. Shanghai Sud, c'est un grand parasol, parapluie de 260 mètres de diamètre, comme ça, qui couvre quatre stations de métro, les trains, les bus, les voitures, les taxis. Un espace donc complètement modulable, polyvalent, vous voyez, une espèce de grand loft, mais qui est organisé, donc une place couverte, qui est organisée, on ne voit pas bien là, voilà, pour recueillir l'ensemble des modes de transport qui viennent se structurer autour de lui, sur différents niveaux, et qui rassemble tous les gens dans un centre. Voilà, pardon, je passe sur ces... Je passe... Attendez. Il n'est vraiment pas bien le truc, là. Il pourrait pas marcher. Il a été bien réglé, ne s'inquiétez pas, Jean-Marie. Non, parce qu'à chaque fois, j'appuie. Il a été vérifié. Qui rassemble tous les modes de transport, y compris les voitures. Une gare en rond, 260 mètres, si vous avez des souvenirs. Vous savez, le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi le rayon, n'est-ce pas ? Donc, ça fait, ou pi le diamètre, ça fait 3 fois le diamètre. Donc, vous voyez, ça fait près de 700 mètres, il n'y a jamais d'embouteillage. Donc, je passe sur les... La complexité du dispositif qui organise tous les transports, mais qui permet aux gens d'être rassemblés tous ensemble sur ce volume central, au milieu de boutiques, d'arbres, de jardins qui s'installent et qui permettent à chacun de passer son temps. Jean-Marie, voilà. Avant qu'on ne parle de Nancy, effectivement, Shanghai, par rapport, je citais tout à l'heure, Roissy 1, qui est une belle réussite quelque part, hein, ces années 70, etc., mais qui paraît totalement démodé, qui était aussi un camembert, où là, il y avait des embouteillages terribles, c'était devenu absolument ingérable. Il vient d'être bien rénové, mais on est à des années-lumière, et en même temps, vous avez gardé ce concept circulaire, en quelque sorte, et on est à des années-lumière entre Roissy 1, vous vous souvenez,
et Shanghai. Hein. Bah, c'est pas la même époque. Oui, c'est ça. Hein. Quoi. Et oui, c'est pas la même fonction. Un aéroport, c'est un endroit où vous devez accomplir toute une série de rites. Qui vont d'ailleurs maintenant aujourd'hui jusqu'à se déshabiller en public pour passer dans des contrôles, etc. Et se rhabiller, mettre sa ceinture et tout. Donc il y a un rituel et dans puis les aéroports. Volume, le volume de passagers entre Roissy 1 et Shanghai, évidemment, est absolument. Non, ce n'est pas du tout le même rituel. Bien sûr. Et pas du tout la même époque. Voilà. Donc cette manière de rassembler, tiens, alors là, c'est pas une fonction. On voit déjà Michel Cantal Dupart en vedette américaine. Bon, écoutez, j'ai fini. Alors voilà. Les images de Nancy, Nancy. Ça, c'est pas Nancy. Pardon. C'est Turin. C'est Shanghai, mais en long. C'est-à-dire que à Turin, donc Turin, la ville des galeries, commerçantes partout, oui. etc. Les arcades. Il y avait une gare qui, le train a été mis en sous une grande rue à Turin, et on nous demandait d'organiser la venue de tous les transports de la ville autour de la gare. Et donc on a repris l'archétype de la galerie turinoise, et simplement on l'a fait descendre jusqu'au niveau du train, là encore pour amener la lumière, et autour de du métro, des bus, etc., on a rassemblé toute une série de, là aussi, de commerces, de boutiques, de services dans une grande rue couverte d'une verrière photovoltaïque, d'ailleurs, qui a été décidé juste après une grande panne d'électricité il y a quelques années en Italie. Oui. Voilà. Donc cette verrière, là aussi, c'est une espèce de grand parapluie, très simple, ventilé naturellement, chauffé naturellement, en fonction de l'arrivée du soleil, qui est donc un des projets qui va se finir en Italie au début de l'année 2013, qui est à signaler quand même. Voilà. Donc la gare de Donc grande galerie tout en long qui permet de drainer là aussi les autobus, les voitures, les taxis, etc. Qui est Marseille, on a prolongé la gare historique. Ouais. On a prolongé la gare historique là aussi pour créer ce grand parapluie. Donc qui prolonge la grande halle pour y installer toute une série de boutiques, de commerces au gré des usages. Là encore, un volume polyfonctionnel, une sorte de loft. Casablanca, c'est ce système. Là, à Casablanca, c'est plus la grande galerie turinoise, c'est le marché, le marché marocain, voilà, qui sur plusieurs niveaux organise la vie des gens. Donc tendance encore d'une architecture contemporaine. C'est à partir de ces exemples, d'ailleurs, qu'on a commencé à travailler un certain nombre de gares du Grand Paris, sujet qui nous est cher à mon ami Cantal Dupart et moi-même. Quand on a travaillé pour montrer ce que pouvait être une gare du Grand Paris, on a montré que sous un grand parapluie, on pouvait à la fois organiser tous les transports qui se croisent dans tous les sens, mais aussi organiser toutes les activités de la ville. Et l'ambiance d'une gare, et l'ambiance d'une gare du Grand Paris, c'est un endroit où se croisent les transports, mais où on trouve des bistrots, des commerces, des piscines, des équipements publics, etc. Je finis par deux endroits emblématique de la façon dont on peut concevoir en même temps la gare et le quartier central qu'il génère. Oui. C'est bien sûr le quartier d'Austerlitz à Paris, où avec Jean Nouvel, on travaille en même temps l'aménagement de la gare et le quartier, de façon à créer, entre du jardin de la Salpêtrière à droite qu'on voit ici, qui met en scène ce super bâtiment parisien jusqu'à la Seine à gauche, on organise à la fois un quartier nouveau en liaison avec le 6e arrondissement, la gare. Voilà. Tiens, mais c'est bizarre. Là. Voilà. Et donc, sur ce plan-là, la Seine est en haut, le quartier est en bas. Les commerces, les hôtels, les habitations, les bureaux se mélangent aussi bien près des trains que plus près des jardins, dans une transition continue comme ça. Et tout ça aussi le plus harmonieusement vers la Grande Bibliothèque de France, évidemment, dans l'autre sens, du sillon d'Austerlitz. Dans l'autre sens, vers la Bibliothèque de France. Et donc, cette continuité, la gare est à gauche et les jardins sont à droite et tout cela se marie. Voilà. Et donc, on finit sur On y arrive. Nancy Grandcœur, qui, comme je vous le disais, en fait,
intervient sur 15 hectares en centre-ville au bord des voies ferrées, mais oblige à réfléchir à la fois jusqu'à la place Charles III, qu'on voit au milieu, en haut de la photo, place du marché, place du centre commercial Saint-Sébastien, centre de beaucoup de commerces de centre-ville, jusque également au quartier Mont-Désert, qui est ici, enfin à l'autre côté des voies ferrées. Le raccourcissement de ce pont, qui aujourd'hui vient jusqu'ici, est emblématique de la répercussion de ce qu'on fait sur Nancy Grand Cœur, sur le reste du quartier. Voilà. Alors, c'est un très rapidement, j'ai été trop long, excusez-moi, mais j'avais du mal à... Jean-Marie, ne vous inquiétez pas. Alors, juste pour rester sur Nancy Grand Cœur, vous l'avez dit, 15 hectares, on l'a dit aussi avec le maire hier, hein, c'est le premier éco-quartier labellisé autour d'une gare, hein, par le ministère de l'Environnement. Il n'y a plus de quartiers qui ne sont pas éco maintenant. Oui, tout oui, est, non, tout mais éco. Autour d'une gare, c'était le premier, avec donc effectivement des hôtels, des bureaux, du résidentiel, bien évidemment. Mmh. Voilà, un projet assez considérable. Et ce qui est assez original aussi, c'est de faire ces quais de verdure, hein, autour du sillon. Qu'est-ce que ça apportera, ça, avec des bâtiments sur les côtés? On l'a vu, là, d'ailleurs, à travers le plan. Qu'est-ce que ça apportera? Qu'est-ce que ça a d'original? Et en quoi ça remet toujours plus la gare dans la cité? Alors, vous savez, quand le train arrive dans une ville, donc c'est une entrée magistrale, quand vous arrivez quand même à Paris par le TGV, ça devrait être un grand boulevard, quoi, une grande avenue. Et en général, la ville vous montre son arrière, si ce n'est son derrière, d'ailleurs, de la ville. Voilà. Et quand vous arrivez à Nancy, eh ben, vous êtes bien accueillis parce que les maisons regardent vers le train comme on regarde vers un fleuve. Ouais. Vous avez des quais, on appelle ça les quais, d'ailleurs. Il y a le quai Claude Lelorrain à Nancy, où en arrivant, vous avez une figure sympathique de la ville, avec des villas, d'ailleurs, de très belles villas de l'école de Nancy. Et vous arrivez donc sur une face noble de la ville. Et donc, quand on a dû concevoir le quartier de Nancy Grand Cœur, on s'est dit, ben voilà, il y a un quai. Il faut prolonger les quais de Nancy, ici. Et on les a traités comme un grand jardin qui vient... Alors, un jardin, parce qu'il y a une tradition, vous savez, au XIXe siècle, on faisait toujours arriver les gares dans des jardins. Et ceci est une manière d'arriver en douceur. Depuis le grand paysage qu'on traverse, on dit que la France est un grand jardin. Et c'est vrai que quand on passe à travers la France, en une heure comme ça, en TGV, on est dans la nature. Et quand on arrive à la gare, on est dans cette transition entre la nature et puis un centre-ville immédiat, quoi. Et quand on... Donc là, on a amené un bout de nature jusqu'à la gare en plein centre-ville. Voilà, qui sera en plus un agrément pour les Nancyens. Bien sûr. Alors, les échos, il y a quelques semaines, gares et aéroports, la révolution commerciale est en marche. Et alors, je voudrais juste avoir votre sentiment, parce que la journaliste conclut ainsi. Voilà, les gares et les aéroports français pourront-ils un jour dégager assez de place pour ressembler aux vrais centres commerciaux que sont, par exemple, et alors elle cite, la gare de Saint-Pancras à Londres, qui est assez exceptionnelle, c'est vrai, ou l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, qui est souvent vanté, hein, mis en avant pour son lien entre notamment commerce et donc flux de passagers. L'Hexagone accuse du retard, mais la métamorphose est engagée. Oui, alors non, je réagis sur le vrai centre commercial, parce que... ça a l'air de dire qu'il faut prendre comme modèle les centres commerciaux pour travailler les gares. Or, ce qu'on a fait à Saint-Pancras, que nous avons été à l'origine du concept de Saint-Pancras, d'ailleurs, c'est qu'on a marié la gare et la ville pour créer une nouvelle manière de faire du commerce. Bon. Et quand on se met à Saint-Lazare ou à Gare de l'Est, c'est aussi une nouvelle manière, parce qu'il y a à la fois cette façon de pouvoir traverser, d'accueillir des gros flux, et donc d'être sur un trajet et d'organiser un service sur le trajet, alors que les centres commerciaux sont devenus souvent des destinations. Donc c'est un petit peu différent. Voilà. Et je crois que la révolution en marche, elle n'est pas seulement sur les gares, elle est sur les centres-villes, parce qu'il y a une nouvelle manière de vivre le centre-ville. Et quand on travaille sur Nancy Grand Cœur, on réfléchit aussi bien à la façon dont la place Charles III permettra aux gens de passer et de rester. Merci à vous, Jean-Marie Dutilleul. Je vous propose que nous l'applaudissions parce que malgré... Mais pourquoi vous êtes beaucoup trop modeste? Voilà, il est arrivé ce matin depuis Paris. Effectivement, on l'a mis dans le bain tout de suite. Et je trouve que moi, il s'en est très bien sorti. Effectivement, ce n'était pas facile, malheureusement, avec les slides. Mais c'est bien, ça donnait aussi
du rythme finalement, et puis un peu de spontanéité. Michel, venez me rejoindre, Michel Cantal-Dupart. Alors, faut-il vous présenter comme Jean-Marie Dutilleul? Vous êtes une des figures aujourd'hui de l'architecture et de l'urbanisme en France. Vous avez été très actif sur Banlieue 89, bien évidemment, avec Roland Castro, on se souvient, donc à la fin des années 80. Et puis, vous avez été associé de manière assez proche avec Jean-Marie, avec Nouvelle aussi, qu'on peut citer, au Grand Paris. Bien évidemment. Alors, on va vous écouter un peu, nous donner votre vision, comment vous sentez les choses en termes d'urbanisme, de lien entre urbanisme et commerce, bien évidemment. Je cite juste une petite phrase que j'ai vue de vous, que j'ai trouvée très, très, très élégante et résumant bien les choses. L'urbanisme, finalement, c'est l'aspect urbain de l'écologie. Allez, on vous écoute avec donc cette présentation. On va tout de suite. Ça va très vite, oui, effectivement. Voilà. D'abord, un préalable, j'adore venir à Nancy parce que dans toutes les conférences que je fais, généralement on demande de parler de la ville de façon plus générale, et je ne manque jamais de citer Nancy, qui a été dans l'histoire urbaine, dans l'encyclopédie vivante de l'histoire des villes, quelque chose de déterminant, que vous ne savez peut-être pas, mais je vais donc vous le révéler. Au XVIIIe siècle, quand Stanislas bricole, parce qu'il ne sait pas très bien quoi faire, il est à Lunéville, mais on lui dit qu'il faut aménager quand même, ou il a l'idée d'aménager Nancy. Oui. Il confie à Héré le soin de faire sa ville. Il aurait pu faire une troisième ville. Et il a une idée qui est d'une modernité formidable. Il prend l'endroit le plus moche de la ville, c'est-à-dire les fossés entre la vieille ville et la ville neuve, et il fait l'ensemble qui aujourd'hui est visité par le monde entier, qui est l'endroit où nous sommes, et surtout la place Stanislas. Et ça se fait au milieu du XVIIIe siècle. Après, Gabriel fera, après, c'est toute une succession de villes qui se feront, dont Lisbonne, qui s'inspirera de cet esprit de prendre les endroits les plus désespérés pour faire l'avenir des villes. Voilà, je voulais, ce qui a été fait. Oui. Et donc, je rends hommage à Nancy pour ce qu'elle a apporté à l'histoire urbaine. Et c'est très contemporain parce qu'aujourd'hui, on parlait du Grand Paris, aujourd'hui il s'agit d'aller dans des endroits souvent désespérés et de chercher à faire que ces endroits désespérés deviennent des lieux rayonnants pour faire de plus grandes villes et de plus belles villes. Mmh. Voilà. Alors, simplement pour parler de prospective, je vais faire un bond en arrière. 1970, la première ville piétonne au monde, c'est rue du Gros Horloge à Rouen. Et c'est désespérant. Les commerçants disent on va être fichus, comment ça va marcher, comment, etc. C'est vraiment une histoire absolument impossible. Et moi, je suis à l'époque expert des Nations Unies, je représente l'UNESCO à Tunis pour sauver la Médina de Tunis. Et la Médina de Tunis, c'est ce que vous avez en rouge. Et voilà le plan d'aménagement quand j'arrive, c'est-à-dire des grosses pénétrantes, des grosses qui cassent la Médina, c'était complètement impossible comme décision. Ouais. Un autre projet qui est celui d'Olivier Clément Cacoupe qui perce la Médina, c'est le schéma que vous avez en haut en 1978 et qui fait une grande pénétrante qui va jusqu'à la mosquée, la Zitouna, et c'est très populaire. Les gens disent on va voir la mosquée, notre très belle mosquée, la mosquée de l'Olivier, mais on casse tout le tissu commercial. Et je m'évertue à dire, et je suis de l'autorité que j'ai en tant qu'expert des Nations Unies, je dis la modernité pour la ville, 1970-71, la modernité pour la ville, c'est les centres piétons. Je vais mieux vous dire qu'aujourd'hui, ça semble une évidence, mais que ça n'était pas gagné. Mais par la force des choses, par la force du tissu urbain, par la force des commerçants, de la vitalité des commerçants qui ne voulaient pas, avec leurs petites boutiques, qui ne voulaient pas déménager, qui ne voulaient pas être expulsés, par la force d'une association qui s'appelait l'Association Sauvegarde de la Médina et le poids de l'UNESCO. Bon, tout ça a fait que c'est resté en l'état et aujourd'hui, la ville de Tunis s'en félicite. Ça a été l'évolution de tous nos centres-villes qui sont devenus plus ou moins piétons, et ça n'est pas fini. Alors Bordeaux. Autre phénomène,
Bordeaux. Voilà l'aire d'influence de Bordeaux. Voilà le, voilà ce que ça veut dire. Qu'est-ce que, quelle est, quelle masse tout d'un coup de la, les commerces vont complètement se passer autrement. Les villes s'organisent. On circule très très mal, soit en voiture, soit en transport en commun. Fort heureusement, je passe très vite parce que je pourrais passer une heure sur chacun des schémas, bien évidemment. Mais bien évidemment, on se retrouve à Nantes avec une organisation qui ramène tout en centre, qui est un peu dramatique d'ailleurs, parce qu'à l'heure actuelle, c'est une ville, Nantes, qui a fait un effort extraordinaire sur les transports en commun, se trouve être une ville terriblement encombrée. On y circule très, très mal. Là, ce sont les trois lignes de métro, alors, hein, que vous mettez. Non, non, ce n'est pas des métros, c'est des tramways. Ce sont les tramways qui mènent tous, selon le schéma de 1934, qui mènent tous au centre-ville, ce qui est formidable pour le centre-ville. C'est formidable, mais pour désenclaver, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de circulation tangentielle pour décoincer justement et redonner au centre un certain oxygène. Enfin, toujours est-il que, voilà, en 1997, une étude que j'avais faite qui montre complètement comment, quand vous êtes sur ce qui s'appelle le périphérique, vous êtes très loin du centre-ville et en quelques minutes, vous êtes de l'autre côté de la ville, ce qui a entraîné une succession d'organisations de grandes surfaces tout autour de la ville et que, dans le fond, à partir de ce périphérique, on peut acheter des plantes grasses, des outils, de la nourriture, des costumes, enfin tout. Des jouets, même. Et ce qui est dramatique, des fois, ça ne marche pas. C'est capricieux, voilà. Ah, pof, trop vite, trop vite. Alors, vous avez quand même des choses absolument extraordinaires dans quelque chose qui n'a pas voulu être ça, mais si vous allez à Villepinte, ce que vous voyez en rouge, est chaque dimanche, puisque les commerces sont ouverts tous les dimanches, chaque dimanche, c'est une grande promenade, une espèce de Champs-Élysées, où les gens viennent se promener en famille avec des poussettes, tout, regarder Ikea, enfin, l'offre commerciale qui est là. C'était fait pour être une arrivée en voiture, mais c'est devenu une grande rue piétonne de fait, et c'est très intéressant de voir ces évolutions. On dit bon, ben, ça va marcher, ça va même jusqu'à cet excès. Non, c'est trop vite. Non, voilà. Ça va même jusqu'à Harris aux États-Unis, car c'est bien évidemment toute cette évolution nous est venue des États-Unis. Nous est venu des États-Unis avec une première émergence qui est à Saint-Étienne, où Casino, enfin un épicier, rachète un casino et crée la marque Casino, faisant les grandes surfaces que l'on voit et qui seront reprises partout. On pensait que c'est quelque chose qui ne marcherait pas en France, que c'était typiquement américain, et ça a terriblement pris en France. Fort heureusement, alors vous avez ici un excès, c'est donc Voris, que je disais, où la municipalité, la mairie, a décidé d'aller dans la grande surface, là où il y a du monde. Alors ils se sont installés, ils ont fait un Town Center, vous voyez le petit jardin au centre qu'ils ont fait, et ils ont installé la mairie. Ça, alors là, on est... Alors, erreur pour vous. Ben, c'est une tendance bizarre, quand même. Hein. C'est, si vous dites que les gens déambulent de plus en plus dans les centres commerciaux... Si je vous disais que c'était l'avenir, vous allez me faire la gueule, et vous auriez raison. Non, c'est dramatique. Je le dis parce qu'il n'y a eu qu'un cas, un seul cas. C'est en grande banlieue, donc les gens ont peut-être trouvé que c'était ça qu'il fallait faire. Ouais. Mais moi, je suis très loin de là. N'oublions pas que dans l'animation commerciale des villes, là, vous voyez la première, c'est près de la porte Saint-Denis, entre la porte Saint-Denis et à côté de la porte Saint-Denis, à Paris, c'est la première publicité peinte sur un mur. C'est quand même... on a innové, elle a été restaurée très récemment, c'est les savons Cadom, le célèbre bébé Cadom. Et donc il y a une façon dont les villes se parent et sont capables de faire une publicité, comme d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, quand vous nous avez accueillis avec une fanfare, des drapeaux, un marchand de café, enfin tout ce qui était devant et qui est quelque part une publicité pour notre... Rendez-vous. Notre rendez-vous. Ah. Voilà. Alors, bien entendu, ça se termine sur le réaménagement des villes. Oui. J'adore cet aménagement de Michel Corajou, qui a beaucoup de succès, mais qui est dramatique.
Et je vais clore là-dessus pour vous dire ce qui va se passer maintenant. Pourquoi c'est dramatique ? Ben parce que c'est complètement coupé par une circulation. Même si j'ai réussi à faire bouger le tramway de quelques mètres et permettre à tous les petits cafés de créer des terrasses à Bordeaux, hein. Mais primitivement, le tramway passait directement le long des façades des quais des Chartrons, enfin devant les façades. Il y avait la route qui passait et la mise en valeur des quais. Les vieilles barriques de vin ont été remplacées par des fontaines d'eau. On y a sûrement perdu quelque part. Je dis ça en présence de la bouteille de champagne qui n'est pas factice, que j'ai vue là. On l'ouvrira peut-être un peu plus tard. Là, oui, je m'en doute, dès que le rideau sera fermé. Voilà. Mais c'est un petit peu dramatique parce que ça ne vient pas porter le commerce du centre. Et il aurait fallu connecter beaucoup plus cet aménagement de quai avec la ville, faire des traversées beaucoup plus aisées. C'est toujours très compliqué. Mais c'est un très beau paysage et pas du tout un projet urbain. Je prends un autre exemple qui n'a absolument rien à voir, mais qui a complètement à voir, si ce sont les quais à Nantes. À Nantes, c'est la suite... Non, là, c'est New York avec les pistes de vélo, maintenant. Oui, on est trop loin, là. Ouais, on est parti trop loin, Amsterdam. Voilà, c'est à Nantes. À Nantes, vous avez une Loire qui a été asséchée. On voit très bien l'île Feydeau et on se doute, en voyant la verdure, où était l'ancienne Loire qui baignait, bien sûr, le château que vous voyez à droite. Eh bien, à Nantes, ils viennent de décider de piétoniser très fortement entre la place du commerce, qui est à peu près au-dessus de marquer les quais là, dans la verticale, et le château, ils sont en train de piétoniser tous ces quais qui sont plein midi, plein soleil. Et les cafés ont eu droit de développer des terrasses. Tous les commerces qui étaient là interstitiels, c'est incroyable, il faut aller voir. Ouais. C'est, en un an, ça a été ouvert il y a exactement une année. En un an, c'est une transformation, c'est devenu les Ramblas, les quais de Nantes. Des hôtels particuliers, et ça, c'est l'avenir. On intervient sur l'espace public et on intervient sur un espace public qui subit une transformation radicale, mais qui est en contact direct avec le centre, avec le tramway, avec tous les commerces qui sont là. Michel, ce sont les hôtels particuliers du 18e, armateurs, ils ont été reconstruits, c'était, mais ils ont été bombardés et reconstruits. Mais oui, les façades, c'est une autre. Mais peu importe, ça marche. Ça marche parce que c'est une vision très urbaine d'une transformation des territoires. Alors, l'avenir, bon, les Amsterdam, vélos, c'est pour rigoler. Amsterdam, toujours, les vélos. Alors, on dit, oui, bon, c'est les Hollandais. Bon, d'accord, ils ont des très bons vélos. Mais là aussi, l'exemple viendra de New York. Moi, j'étais à New York en l'an 2000 et j'en avais marre de me balader. J'étais invité par la Columbia University où je faisais des interventions, tout. Et je voulais un vélo. Et on m'a dit, il n'y a pas de vélo, ça n'existe pas. Quand je voyais des gens, c'était des gens absolument très originaux et très rares. Et on m'a dit, tu vas mourir et puis tu ne vas pas savoir où le mettre. Enfin, c'est bon. Eh bien, New York est en train de devenir une ville cyclable. Voilà les réaménagements des rues. Alors, vous savez ce qui est arrivé cette nuit, si vous ne le savez pas. New York a été noyé, tout le métro, enfin tout le sud de Manhattan a été noyé. Le métro, c'est assez catastrophique. Mais donc, toutes ces rues piétonnes que nous voyons ont été submergées. Mais au-delà de ce petit drame d'actualité, c'est incroyable ce qui est en train de se faire. Je me souviens très bien avoir été à New York en 1980, j'avais rencontré l'agence d'urbanisme, et ils travaillaient sur comment mettre des terrasses comme à Paris. Et c'est très compliqué de mettre des terrasses à New York, il y a des problèmes de trottoirs, de droits, de plein de choses. Et là, ils ont réussi, ils sont en train, ça c'est une rue complète qui a été arrêtée, la circulation a été arrêtée, et on voit totalement sur la photo suivante, un carrefour à New York, voilà ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est quelque chose qui va être modélisé et qui va nous encourager à transformer les choses. Alors, voilà, comment ça se traduit très précisément, et je vais clore là-dessus, nous voilà sur les Champs-Élysées. Ouais.
Nous voilà sur les Champs-Élysées. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas vu, on n'a pas vu les photos, on a sauté, mais je parlais à un moment de Souston. J'ai travaillé à Souston, et Souston, ce qui est une petite ville des Landes, il y avait pour entrer dans tous les commerces 4 marches. Et la rue était une rue inondable, enfin, depuis il y a très longtemps. Puis maintenant, il y a un réseau, ça fait très longtemps qu'elle n'est plus inondable. Et dans la transformation en rue semi-piétonne de cette rue principale, j'ai eu l'idée d'augmenter la rue de 20 cm. Ça posait un petit peu, un ou deux petits problèmes pour des entrées de garage, mais surtout, ça mettait les commerces, certains commerces, à une marche de la rue et d'autres à 2 marches. Les gens ont trouvé ça bizarre, bon, mais... Et vous ne pouvez pas savoir comment le rapport commercial, comment les commerces ont bondi. J'ai bien évidemment permis qu'il y ait des éventaires, donc augmenter la surface de vente. Ah ouais. Mais surtout, l'entrée dans le magasin qui ne se faisait qu'avec 2 marches a complètement changé le cours des choses. 4 marches, c'était toujours compliqué. Ça a été facilité d'ailleurs par la présence d'un centre d'handicapés qui s'est installé en plein centre-ville. Ouais. Voilà, sous le son, la rue avec l'église et les trottoirs qui ont été tous surélevés. Et ce qui a été le grand événement, c'est que, alors que tous les commerces, quand je suis arrivé comme urbaniste, tous les commerces étaient en train de fermer les uns après les autres, ils ont tous été réoccupés, et le grand succès, c'est l'arrivée d'une poissonnerie. Ça, alors, c'est toujours un événement, une poissonnerie dans un pied d'immeuble. Ça a été dramatique la poissonnerie. Ça a été dramatique pour le promoteur qui a fait ça, parce qu'au-dessus d'une poissonnerie, les gens n'aiment pas l'habiter parce qu'ils pensent qu'il y a des odeurs. Il y a des odeurs. Mmh. Ce qui c'est comme ça. Mmh. Vous voyez, d'ailleurs, c'est pratiquement fermé. Peu importe. Alors, on revient aux Champs-Élysées. Voilà. Sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, vous avez... Voilà, les Champs-Élysées, ça a été réaménagé en 1994 par Bernard Huette. Et vous aviez, si vous regardez bien, sur les Champs-Élysées, voilà un magasin avec 2 marches. Eh bien, l'avenir, et je répète ce que vous avez vu tout à l'heure quand nous sommes arrivés devant cette salle, avec ce café... Le marchand de café qui s'était mis au pied, sur la rue qui vient d'être réaménagée. Jean Nouvel a réaménagé H&M, qui est venu s'installer sur les Champs-Élysées. Et il a eu l'idée de faire poursuivre l'espace public à l'intérieur du magasin. Vous pouvez mettre la dernière photo. On voit, regardez, c'est le même matériau, et c'est la poursuite du trottoir dans le magasin. Eh bien, l'avenir de nos villes, si elle va dans ce sens-là, doit aller dans l'autre sens. Les magasins doivent savoir sortir sur les trottoirs et plus loin. C'est l'animation même des rues. Quand l'ensemble des rues commence à avoir font des repas, font des animations, comment tout d'un coup ils attirent et ils deviennent attractifs. Ce sont les nouvelles publicités. Mmh. L'avenir de nos centres-villes, de nos vitrines, elle est là. C'est faire que les vitrines passent en 3D dans nos têtes et sortent en volume, sortent des façades pour aller en ville. Vous allez me dire, c'est vieux comme le commerce. Bien évidemment que c'est vieux comme le commerce, puisque le jour où les magasins ont décidé de faire des vitrines, c'était faire rentrer l'œil des passants à l'intérieur du magasin, ce qu'on voit très très bien sur le décor qui est derrière moi. Mais ce qu'il faut, c'est faire exactement ce qui est fait sur cette scène, c'est-à-dire qu'on sort les tables dans la rue et les bouteilles de champagne, pour que les chalands soient gais et joyeux. Ça, Michel, est-ce qu'on peut le faire à peu près partout? Parce que sur les Champs-Élysées, il y a de l'espace, donc on peut faire ça en sorte que ce soit naturel. Mais vous croyez qu'à Souston, j'avais de l'espace? Mais sur des petites rues. C'est une voie de 7 mètres de large. Ouais. Donc on peut le faire à peu près partout, vous pensez? Et ça pourrait se généraliser? Mais bien sûr qu'on peut le faire partout. Mais surtout, je vais parler de la Médina de Tunis, c'est des rues de 3 mètres. Non, on peut faire partout, 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 partout. Et c'est ça l'avenir, je pense, en imaginant des formules modernes et contemporaines qui vont un peu plus loin que le simple éventaire sur tréteaux qui est devant les magasins. Allez, une dernière question, si vous voulez bien, parce que je le disais, vous
vous avez beaucoup œuvré hein, par rapport à banlieue 89 à l'époque pour que effectivement il y ait moins cette cassure évidemment entre les quartiers périphériques. On parlait pas encore de cité, vous vous souvenez, et donc les centres-villes. Alors comment faire en sorte que le commerce aujourd'hui puisse servir de trait d'union, puisse investir plus aujourd'hui ces zones qui sont présentées comme alors, qui sont défavorisées. Oui. Alors c'est des, tous ces quartiers sont généralement exclus. Oui. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'exclusion ? C'est faire que ces quartiers peuvent aller dans tous les autres quartiers, mais que nous, on n'a rien à y faire. On ne voit pas ce qu'on irait y faire. Bon. Eh bien, toute la question, c'est comment rendre... Bah, prenons l'exemple du Haut-du-Lièvre. Hein. Ici à Nancy. Ici à Nancy, hein, qui est un grand ensemble. Bon, je pourrais vous en parler longtemps. Bernard Zerfus. Bon. Comment on peut faire... on voit très bien comment les gens du Haut-du-Lièvre peuvent venir où nous sommes. Il y en a peut-être d'ailleurs qui sont ici dans cette salle, ça n'est pas sûr, mais on ne sait jamais. Mais toute la question, c'est pourquoi nous, on irait au Haut-du-Lièvre et qu'est-ce qu'on irait y faire ? Et c'est toute la question que doivent se poser les élus, les urbanistes, les habitants. Quel type de commerce va faire, va procurer un échange ? Et qu'on puisse monter, à Perpignan, ouais. On a commencé par faire... un marché exotique. Alors, ben, ça a commencé, pourquoi ? Ben, parce que ça correspondait à la cuisine du quartier, le quartier Clodion. Bon, ben, les gens de tout Perpignan et au-delà, qui avaient besoin de trouver des épices, c'était l'endroit où ils venaient. Voilà, c'était pratique. Mmh. Et puis, c'est déjà un début. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un début. Et à l'heure actuelle, on est en train de refaire un petit centre commercial où les marques qui viennent sont des marques performantes. J'estime qu'on a gagné cette bataille. Et donc, des gens viennent dans ces quartiers faire une partie aussi de leurs courses venant du centre-ville. Surtout, ils se rendent compte, comme les gens ont un rapport avec leur clientèle, c'est des prix... Plus chaleureux, plus convivial. C'est très gentil de dire ça. Ouais. Ce sont des prix plus conviviaux. Ouais. Et un accueil plus convivial également, un accueil plus chaleureux de la part des commerçants. Bon, c'est ce qu'on peut espérer. Souris, c'est bien connu. Merci à vous, Michel. Voilà, prenez place. Allez, on va inviter un jeune confrère du CRU, Cédric Vision, venez me rejoindre. Donc, pas facile hein, de succéder à Michel et puis à Jean-Marie. Alors vous, du cabinet... Cash Flow, c'est un cabinet nancéien. Et alors, il travaille beaucoup sur des problématiques de prospective commerciale, comment vous voyez les choses. Et donc, un cabinet très couru ici à Nancy. Voilà, la parole est à vous. Bien, bonjour à tous déjà. Merci de vous en prie sur cette scène. Voilà donc Cédric Vision. Je vais me servir de la petite chose là. Oui, voilà, ça va marcher. J'espère. Voilà, Cash Flow, je le disais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est ? On est des consultants, voilà, en éco-design urbain éthique à perspective commerciale. Vous n'avez rien bien sûr, oublié. Voilà, non. Bien sûr, donc on fait, ça fait un peu pompeux, mais le but de tout ça, en réalité, donc, c'est d'imaginer un peu le centre commercial du futur. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que le centre commercial du futur exactement ? Donc, on va pas se projeter dans 2 ou 3 ans, mais bel et bien dans 10, 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, le monde bouge. C'est une évidence. Ça n'a échappé à personne. L'architecture change et elle continuera à changer. Trois mots, nous, sont importants dans notre recherche. Mm-hmm. Voilà. Donc, implantation du centre commercial, aménagement de ce centre commercial et le design. Donc, problème d'implantation, bien évidemment, centre-ville. De plus en plus de monde, augmentation de population. Bien sûr. Voilà, donc ça donne ce genre de choses hein, au centre-ville, ouais. Assez classique aujourd'hui. Voilà, des parkings aussi hein, qui sont maintenant toujours complets. Hein, essayez d'aller donc aujourd'hui dans les centres commerciaux, c'est complet. Des centres commerciaux bondés, bien sûr, en termes d'aménagement. Là, on ne comprend plus rien, on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. Est-ce que ce sont des escalators ? On ne sait plus. Voilà, donc ça, c'est le plan d'un centre commercial dont je tairai le nom, mais on n'y comprend absolument plus rien. Oui. Voilà, donc là, on ne sait plus à quel étage on est. Est-ce que si j'ai envie d'aller dans un magasin ou dans un autre, est-ce que je vais réussir à me retrouver ? Je pense que les gens aujourd'hui ont plus envie de choses un peu plus simples. En termes de design, on en est arrivé à des choses, voilà, tellement on a voulu épurer, on en est arrivé à des cubes, ou alors à des vaisseaux spatiaux, voilà, des genres de choses comme ça.
Voilà, ça, donc ça, c'est prêt à décoller. Donc bientôt, on sera là-dessus. Hein. Voilà, donc ça, ça sera le centre commercial de demain. Si on n'arrête pas là. On a des solutions, nous, donc chez Cashflow. Effectivement, ce qui nous importe, on trouvera aussi des solutions pour votre télécommande. Nous, ce qui nous importe, c'est ça, implantation flexible. Donc voilà, ce qui est clair, c'est qu'il faut que le magasin puisse bouger. Accès facilité, bien entendu. Parking gratuit, ça c'est une évidence. Convivial humain, design nature. Voilà, on en a tous parlé, design nature. Alors voilà, nous, on a trouvé la solution. Notre solution s'appelle la Modulated Efforts Response of Commercial Hyper Extended. Oui. Voilà, donc ça c'est oui. Un classique. En français d'aujourd'hui. Merci, en français d'aujourd'hui, merci, oui. C'est ce qu'on appelle, nous, le marché. Voilà. Donc le marché a plusieurs avantages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut lier l'utile à l'agréable. Donc c'est simple. Les gens ont envie d'aller faire les boutiques, le dimanche notamment. Mais ils ont aussi envie de faire une balade, et bien voilà, ils vont aller dans leur centre commercial en faisant une balade. Voilà. Nous pouvons voir, voilà, donc là, vous pouvez voir des places de parking partout, là, là, ici, voilà, donc là également, vous pouvez rentrer. Là-bas, il y en a encore un peu. Donc c'est gratuit, hein. Vous pouvez vous garer un peu où vous voulez. Voilà, donc des stands flexibles, amovibles, vous pouvez, voilà, hein, c'est la mode du jour. Des équipes motivées, remotivées. On parlait de lumière qui vient, là elle est directe, la lumière. Hein, c'est directement la vraie pluie également. Voilà, donc des magasins écologiques, puisque une fois qu'ils sont passés, bah, un petit coup de balai et on ne voit plus rien. Oui. Voilà, donc ce qu'on peut dire, voilà, donc, c'est que le supermarché, le centre commercial de demain, c'est le marché. Merci beaucoup. Oh. Je tiens à préciser que le marché demain, c'est à Paris. C'est à Lyon, c'est à Marseille, mais après-demain, ça sera chez vous, près de chez vous, à Ciré-sur-Vezouze, à Gerville-la-Magrange, un peu partout. Je vous propose, mesdames et messieurs, qu'on aille vraiment de plus en plus vers le marché, parce que regardez, le marché, moi je ne vais pas vous repasser les images, mais le marché, c'est quand même super. Merci, merci, encouragez le marché. Merci. Oh, Cédric Vision, vous avez vu quand on fait de la prospective à Nancy. Voilà, ben je crois qu'on peut l'applaudir chaudement. Allez, on va dévoiler le poteau rose, Cédric Vision. Donc, troupe d'improvisation ici, basée oui. en Lorraine. Cash text, hein, crash text. Voilà, non pas le crash test des voitures, mais crash text. Mais voilà, je crois qu'on peut l'applaudir parce qu'on lui a demandé, on voulait un peu rythmer cette table ronde après des sommités comme Jean-Marie et comme Michel. C'est pas facile. Voilà, on voulait un peu quelque chose de différent. Et alors, on vous retrouvera hein, tout à l'heure. Ouais, on se voit en fin de matinée, en fin d'après-midi et aussi le temps du midi. On verra ça tout à l'heure. Voilà, et ce qui sera intéressant, donc une troupe d'improvisation. Donc là, il vous a fait un peu une supercherie hein, en quelque sorte, avec tout un jargon. Pseudo urbanistique très, très intéressant, c'est vrai qu'on peut du vrai en plus, voilà, il nous dit et ben, tout à l'heure avec ses compères qui sont dans la salle, avec Gérard, avec Yann, il va écouter les tables rondes ce matin et cet après-midi et puis il nous fera une petite improvisation donc, avec ses compères sur ce qu'il aura retenu de manière la plus sérieuse, voilà, on lui donne carte blanche pour qu'il résume sur 4-5 minutes tout à l'heure, donc ce qu'il a entendu à travers une improvisation avec ses confrères. Merci à lui Cédric, donc on le remercie. Je le disais, sommité, Michel Cantal Dupart, Jean-Marie Dutilleul, évidemment. Et Patrick Rimoux, venez me rejoindre. Patrick, qui est sculpteur lumière, c'est ainsi qu'on peut vous présenter. Venez me rejoindre. Et vous êtes aujourd'hui très connu, artiste contemporain. Vous planchez sur beaucoup de choses. Vous aussi, vous êtes extrêmement modeste. Mais voilà, il intervient notamment à Nancy, on va en parler, hein, avec ses sculptures lumière sur des projets de création, qu'ils soient temporaires ou pérennes, hein, en quelque sorte. Et puis, avec les nouvelles technologies, vous maniez tout ça avec des éléments de design lumière et des scénographies tout à fait originales, tout à fait splendides, pour effectivement toujours rendre la ville hein, à son ADN, toujours plus belle et toujours plus plaisante donc, à parcourir. Voilà, Patrick Rimoux, on vous écoute, donc vous allez voir, il va nous faire un carrousel de diapositives, de slides sur des réalisations tout à fait originales et magnifiques. Patrick, oui. À vous. Alors, mon matériau, c'est le médium. Hein. Le médium, c'est plutôt la lumière, un peu partout. Alors, c'est assez étonnant parce que je n'ai jamais fait de centres commerciaux, etc. Et il y a une semaine, on vient de m'en demander un. On vous montre les premiers éléments de projet qui sont à Bruxelles. Ça s'appelle Just Under the Sky. Oui. Et alors, allons-y, faisons défiler. Alors, je vais avoir la même chose. Donc, il est juste en périphérie de Bruxelles.
juste à environ, on dira 500 mètres à peu près, arrive à cet espace, dans cet espace, ce qu'on a dit à la fois, le tram, le train, il y a une nouvelle gare, si j'arrive à... Bon, mais là, on voit bien, là. Voilà, donc c'est nouveau type d'architecture, où en fait, à l'intérieur, il y a à la fois cinéma, théâtre... et espaces commerciaux. Il y a, alors si j'ai le pointeur, non, c'est pas ça, je voudrais revenir en arrière, mais bon, enfin, il y a aussi des patrimoines classés. Alors le pointeur, c'est le petit point rouge. Voilà, le petit bouton rond, voilà. Ouais, mais je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave, il y a aussi des éléments patrimoniaux qui sont gardés à l'intérieur du système. Ouais. Et en fait, tout le projet est demandé et de travailler à la fois sur l'intérieur, les espaces publics intérieurs et sur les façades. Alors après, on travaille sur les saisonnalités, hein, parce que très souvent, il y a des arrêts. On voit, on entend d'y travailler avec Jean-Marie sur des gares, etc. C'est-à-dire essayer qu'il n'y ait pas de coupure intérieure-extérieure avec la lumière, avec les saisons, etc. Donc c'est un peu les propositions là qu'on fait de travail et en même temps de signalétique, hein, sur ces espaces. Alors on va passer aux autres, hein, en fonction des saisons, des projections et tout. Alors après, là, c'est un autre espace public, tunnel de la Croix-Rousse, hein, le tunnel double, qui est un tunnel pour piétons et vélo et bus électrique. Et il y a 18 séquences de 200 mètres. Et on nous a demandé, en projet, hein, toujours sur ces espaces publics, d'animer l'espace en fonction. Alors on fait à la fois, maintenant c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire qu'on est à la fois, on fait des projections, mais ça peut être aussi, là c'est le festival de danse, la biennale de danse, on travaille sur à l'intérieur de ces espaces clos, pour nous c'est comme une scène, donc on fait figurer les ondes, on est entre le Rhône et la Saône, donc qui viennent se déplacer sur les parois. Il est très long ce tunnel, hein. Il est très long, oui, il fait 30 minutes à peu près, il fait 2,5 km, un truc comme la colline de voilà, Croix-Rousse. C'est le tunnel en fait de sécurité, mais c'est pour se dire, c'est de transformer cet espace en quelque chose. Alors après, c'est mixé avec des œuvres d'art contemporaines qui sont installées en fonction des séquences. Et alors, il sera ouvert la nuit. Il est ouvert sauf quelques heures. Par exemple, le bus électrique passe et il y a des plaquettes photoluminescentes sur les espaces et qui font que ça s'allume pendant 15 minutes, etc. Question naïve, contre la délinquance, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, les tags, etc., sur quelque chose d'aussi long? Oui, c'est possible, c'est aussi un tunnel sécuritaire, donc il y a des caméras, etc., partout. Donc, si on commence à taguer à l'intérieur, je pense que la personne va être assez rapidement attrapée, appréhendée. Donc là, c'est un travail sur l'histoire, les projections, c'est-à-dire toute la ville, parce qu'en fait, c'est un mélange, hein, à chaque fois, ces espaces, on va passer. Alors, c'est aussi, par exemple, là, on a fait le signal du ministère de la Défense, hein, c'est la réflexion avec la lumière sur des architectures contemporaines. C'est le fameux pentagone à la française, c'est ça ? Voilà, le pentagone à la française, avec un ensemble de mouvements. Hein, les grands éléments, c'est la dynamique de la ville. Hein, on vit de plus en plus la nuit, il y a de plus en plus de liens avec. Alors ça, c'est aussi un travail qu'on est en train de faire à Taichung, à Taïwan. C'est un parc de 90 hectares et tout ce qui est autour, ce sont des tours et des magasins. Et en fait, c'est eux qui payent l'ensemble, la totalité du parc central. Et sur les côtés latéraux, on peut en direct projeter les courants de la mer tous les jours en temps réel sur les espaces publics. C'est-à-dire que de plus en plus, on nous demande de faire des éléments dynamiques, des créations dynamiques. Alors là aussi, je vous ai sélectionné, par exemple, à New Delhi, pour un très grand hôtel qui a des moucharabiés sur toute sa façade, de faire des compositions de lumière, des rangolis, hein, c'est des éléments géométriques qu'on a créés et qui font que ça anime la façade comme ça pour des soirées sur le Aman Hotel à New Delhi.
Alors, on a pas fait loin aussi d'ici, à Metz, voilà. À Metz, oui, avec l'architecte Nicolas Michelin, on a réfléchi sur les 10 hectares qui sont tout autour et on a créé la lumière et l'aménagement de l'ensemble autour du centre Pompidou-Metz. Oui. Voilà, on a créé les luminaires, les façades, enfin le jardin est éclairé d'un côté mais pas de l'autre. Là, vous voyez, il y a des plis qu'on a éclairés sur les espaces. De plus en plus, bon, maintenant c'est un peu une tarte à la crème, mais tout est fait en LED, c'est dynamique, il y a des adressages. Alors après, on passe à New York. C'est une carte blanche là, qui m'avait été donnée par le MoMA pour faire aussi à l'intérieur de ça des projections géantes à la fois à l'intérieur du MoMA et à l'extérieur. Mm-hmm. On voit en même temps tout en faisant un spectacle à l'intérieur. Après, on a la même chose sur la on parlait de New York. New York, il y a beaucoup d'éléments comme ça sur les façades, hein, sur des créations lumière qu'on a fait sur ça, qui seront en rapport aussi un peu, on verra, avec le travail qu'on fera sur Nancy, puisqu'on a une œuvre comme ça qui va être mise. Donc c'est pour vous donner un petit peu des éléments référentiels. Ça, c'était en français à New York, alors sur un pour New York. En fait, j'étais l'artiste contemporain choisi pour la francophonie parmi les Belges. Voilà. Mm. Et donc on a fait. Après. On a fait aussi la francophonie, à Québec. Ouais, à Québec. Alors là, c'est sur. Alors la plupart des projets qui sont montrés sont des projets pérennes. Celui-là aussi. Alors on part sur des façades. Ça, c'est le centre de la francophonie des Amériques. Ces éclairages sont la plupart du temps que je vous ai montré sont pérennes. Et en fait, on change. Hein, on crée des robes de lumière différentes. En fonction des jours, des saisons, sur l'ensemble de ces façades. Vous voyez, on a, on découpe. Là, comme on est sur la francophonie, on travaillait beaucoup sur le mot, sur le texte. Hein, et là, on avait une quarantaine de poètes sur lesquels on avait recréé des calligrammes par rapport à ça à New York, à Québec, ça. On a fait aussi, et c'est ce qui fait qu'on intervient sur les espaces publics, aussi, bon là c'est sur l'hôtel de ville, c'est aussi une projection pérenne. Voilà, et il y a à la fois des projections de vidéos et de projecteurs à découpe qui font bouger des scintillements sur la façade. Ah oui. On crée pour cela des objets aussi qui permettent de contenir l'ensemble, la totalité des matériels qui nous permettent d'animer les façades. On en a d'autres. Alors oui, ça c'est assez étonnant. C'est un bon projet, vous, c'est assez étonnant. En fait, c'est à partir de en 2000 ans, on m'a demandé de faire un événement en concordance avec le marché de Noël. Et puis, mais on m'a dit, Patrick, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a un sapin de Noël et la crèche. Je dis, ouais, c'est sympa, mais bon, j'ai dit, ok, on va faire. Les animaux de la crèche sur la table. On recrée ça sur l'enclos, etc. Truc très simple, etc. Et on a commencé à parler, et donc on a créé cet événement qui est resté un mois sur ces éléments-là. Mais là, on a commencé à discuter en fait sur la Grand Place et ce bijou architectural qui est la Grand Place. Donc ça, c'était en 2001. Et puis, par rapport à ça, maintenant, on a inauguré là, le 10 octobre la Grand Place de Bruxelles, où on a fait tout un travail sur les 27 bâtiments. Ça nous a mis 8 ans pour le faire. Et on éclaire donc maintenant la totalité des bâtiments avec 2000 projecteurs à base de LED qui sont programmables. Grosso modo, c'est... on va dire ces 20 concerts de Madonna à gérer en complexité parce qu'il y a 10 000 adressages. On fait des variations de blanc très légères. On est bien sûr patrimoine mondial de l'UNESCO, protection architecturale, etc. Mais aussi à l'intérieur de ça, on peut avec les mêmes systèmes changer la vision, puisqu'il y a toute une palette colorimétrique qui est à l'intérieur de ces projecteurs. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire des événements avec les mêmes projecteurs. Ah oui. Et
avec deux, avant ils éclairaient deux bâtiments et avec les mêmes sources d'énergie, maintenant on en éclaire 27. Et donc c'est le cœur de ville qu'on réanime par rapport à ça. Enfin là, il n'y a pas besoin. Alors on part en Suisse, là on l'a vu. Ah oui, en Suisse, après. Musée d'art et d'histoire, c'est pour le centenaire. Donc on a créé cet événement à partir de toutes les projections qui sont faites, sont à partir des œuvres, les œuvres qui sont à l'intérieur du musée. Il y a plus d'un million d'œuvres, hein, c'est un musée très très riche, il y a beaucoup de donations. Et on crée des films qui se reprojettent et on a fait un film qui était composé, qui était un mélange, un spicilège, hein, un mélange de ces œuvres qu'on a remixées, contemporaines ou pas, par rapport à ça. Alors après, il y a un élément aussi, ça c'est assez intéressant, c'est à partir de Soweto, San Suen Township, là on va rester juste deux secondes là-dessus, sur celle-là, en fait... Southwest Township, donc que tout le monde connaît, hein, c'est dans le à droite, c'est l'endroit où a été signée la fin de l'apartheid en 1994 par Mandela. Ouais. Et en fait, il y avait rien. En fait, hein, c'était il y avait pas de ville. Hein, on créait des cités dortoirs entre guillemets avec aucun moyen de et c'était de l'autre côté de la mine, hein, pour les Noirs. Et là, avec la Nouvelle Afrique du Sud, et donc j'ai eu la chance de travailler 6 ans pour le gouvernement sud-africain, eh bien, ça, c'est tout le nouveau cœur de ville à droite et où est créé le marché, les commerces, le musée commémoratif de l'art et d'histoire. Et nous, enfin, on m'a demandé de sur le rond-point qui est juste à gauche, qui est dans l'axe, ouais, de créer une landmark importante qui sont les Freedom Towers qu'on a fait, qui sont 9 monolithes de 18 mètres de haut, en béton, qui sont que des colonnes de lumière et qui sont éclairées alors, et qui sont éclairées et qui donc symbolisent la Nouvelle Afrique du Sud. Sûr. Mais c'est lié à ça, quoi. Voilà. Mais il y en a encore. Je veux pas être trop dans les temps parce qu'il y a encore d'autres slides, il y a d'autres projets, mais je pense que je sais pas si c'est. Alors on peut passer. Est-ce que vous avez passer. Des slides sur Nancy pour voir un peu ce que vous faites à... Non, Nancy, ça sera. Oui, on peut en parler, il faut en parler, bien sûr. Ouais. Là, oui, ça c'était par rapport à l'espace Louis Vuitton aussi. Donc il y a l'espace d'art contemporain qui est en partie supérieur, hein, au dernier étage. Et donc là, ils m'ont demandé. J'ai fait une exposition. Bon, moi, c'est un peu compliqué. Je travaille aussi avec la pellicule cinéma, le film, mon médium, etc. Et là, j'avais fait des gros événements en Inde. Et donc, de réintervenir et d'intervenir, on sait particulièrement, notamment, le travail que fait Louis Vuitton au niveau de ses vitrines, etc. La qualité, voilà. Bon, il y en a plein d'autres, mais ils peuvent les passer, on peut parler de Nancy. Voilà, on les fait défiler. Juste deux, trois questions. D'abord, vous m'avez dit, est-ce que tout ça est cher avec effectivement les nouvelles technologies LED? D'une façon générale, est-ce qu'on arrive pour les municipalités ou les commanditaires privés, comme par exemple pour Vuitton, à réduire la facture énergétique de manière considérable, j'imagine? Ah oui, oui, oui. Oui, c'est ça. On réduit considérablement à la facture puisque la source LED, hein, la puissance de la LED est de plus en plus, économe en énergie, hein, et sa rentabilité augmente en pouvoir. Et donc, c'est très, très rentable. Alors, autre question, vous êtes beaucoup sur des projets monumentaux, hein, bien évidemment, parce qu'il faut une volonté importante de l'acteur qui vous... fait commande, hein, en quelque sorte, et donc on le voit, des moyens, bien évidemment. Alors, concernant les magasins... Par exemple, là, vous voyez, là, c'est un tout petit village, c'est Rocamadour, c'est tout près de chez moi. Oui, mais Rocamadour, hein. C'est un haut lieu touristique. Donc, oui, mais c'est une cité-village, c'est une cité-village où il y a des commerces. Ouais. Mais j'imagine c'est un budget important pour eux, et parce que... Ben, Rocamadour, c'est la Fondation de France, c'est la Fondation EDF. Et effectivement, ils mettent le paquet, parce que Rocamadour est un des plus beaux villages de France. Alors, pour les villages, pour les magasins, qu'est-ce que vous pouvez préconiser? Qu'est-ce que vous voudriez dire ici à la salle? On en avait un peu parlé quand je vous avais eu, vous m'aviez dit, moi je trouve que les lumières dans les magasins sont moches, en France et ailleurs d'ailleurs, plutôt moches, non, mais... il y avait des choses qui s'amélioraient, mais que c'était pas formidable, qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Oui, bah maintenant, il y a ces nouvelles technologies qui rentrent et qui vont permettre peut-être de mieux dessiner, je dirais, les magasins. Souvent, très, très souvent, c'est parfois, on est un peu sur des éléments de fête foraine, c'est-à-dire on éclaire plus fort que le
précédent pour être plus vu. Mais maintenant, en fait, c'est pour ça, hein, quand on regarde les espaces qu'on fait, en fait, les espaces, nous, on intervient sur des espaces publics. Et ces espaces publics, en fait, on est vraiment, on joue ensemble. Hein. C'est créer la ville, mais ce n'est pas la ville, l'espace public contre le commerce ou inversement. C'est pour jouer une même symphonie, je dirais. Et si on dépose maintenant avec des nouvelles sources, etc., on peut, je dirais, plus gérer la lumière à l'endroit où elle est utile d'être. Avant, on avait souvent des gros projecteurs, etc., qui consommaient les trucs à 500 watts. Voilà, 500 watts, 1 kilo d'halogénure, etc. Maintenant, on peut mettre des projecteurs à 30 watts qui font la même chose et qui gèrent que l'espace sur lequel on est. Michel, puis après je vais passer la parole à Jean-Marie pour réagir un peu à son travail. Et alors, ben, par rapport, il nous dit le magasin, quelque part une meilleure fluidité. Alors, est-ce que comme votre absence de marche, avec la lumière, on peut faire entrer encore plus le commerce dans la ville et sans cassure, sans rupture? Oui, enfin, c'est la lumière, la valeur de la lumière est donnée par l'ombre. Et pendant très longtemps, les villes ont cherché à restituer la lumière solaire en permanence, quoi. C'est-à-dire, on dit même que ça perturbe insectes et oiseaux, quoi. C'est, ouais. Bon, dans les villes où il y a des étourneaux, elles le savent. Si on veut les chasser, il suffit d'éteindre la ville et ils partent ailleurs. Mais bon, ça a été pendant très longtemps cela. Aujourd'hui, on cherche à pondérer, à modérer la lumière, à passer sur des techniques plus économes. C'est comme ça que la tour Eiffel, qui bouffait une lumière pas possible, est entièrement éclairée, mais sur une consommation beaucoup plus raisonnable. Et en plus, elle s'intime. Mais ça n'existe que si on prévoit de l'obscurité autour. Et donc, son travail, on voit très bien sur Rocamadour, c'est pas la lumière qui est intéressante. Si tout était jaune, ben, ce serait sombrement ennuyeux. C'est parce que dans son travail, il a su éclairer certains éléments et pas tout. Ouais. Regardez comment les sons et lumières ont évolué. Pendant très longtemps, les sons et lumières, c'était des projecteurs qui venaient du sol et qui éclairaient des façades de monuments historiques. Ouais, effectivement. C'est-à-dire qu'on éclairait les bâtiments à l'envers. Toute l'architecture, les architraves, les denticules, tout ce qui est l'architecture classique, qui est généralement celle qu'on éclaire, tout était fait pour capter la lumière et projeter de l'ombre, qui donnait la valeur des bâtiments. Si vous regardez en sortant la façade de ce théâtre, c'est très significatif. Toutes les colonnes, tout, c'est fait pour accrocher une lumière et mettre en scène l'ombre. À partir du moment où vous mettez un projecteur à l'envers, vous aplatissez l'architecture. Et il a fallu énormément de temps pour que EDF ait l'idée au Louvre d'éclairer le monument comme si c'était le soleil, et vous avez un éclairage magnifique, je vous invite, sur le palais du Louvre, avec des éclairages totalement invisibles qui redonnent la lumière d'en haut à 45 degrés, comme le soleil. Voilà. Allez, on va conclure avec vous, Jean-Marie, assez rapidement, parce qu'effectivement, on a pris un peu de retard, mais je pense que c'était tout à fait passionnant, tous les trois, ce que vous nous avez montré, sans oublier notre ami Cédric Vision et son cash flow. Alors, la lumière pour les gares, on l'a dit, hein, bien évidemment, retrouver toutes ces fonctions, c'est plus seulement pour éclairer les trains. Voilà, ce genre de travaux, en quoi ça peut vous intéresser dans tout ce qui est gare et aéroport? Non, mais l'architecture joue de la lumière comme le violon joue de la musique, si vous voulez. Il m'est arrivé de concevoir des gares souterraines pour le RERE à Paris. Mm-hmm. Alors c'était intéressant parce que on travaillait dans notre trou où il n'était pas censé avoir de la lumière au fond, tout au fond. Et on s'est aperçu que si on ne mettait pas de lumière fabriquée, l'architecture n'existait pas. La lumière, c'est ce qui fait exister, par sa réflexion sur la matière, toute architecture. Donc, il y a une architecture du jour, une architecture de la nuit. Ce qui est intéressant dans les... Donc, l'architecture du jour, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais l'art d'organiser l'espace, c'est pour les gens et pour qu'ils soient dans la vibration de la lumière du jour. Ce qui est intéressant dans le travail de Patrick Rimous, qu'on lui donne une architecture et puis il en joue autrement que le soleil, quoi. Voilà, simplement.
C'est, voilà, donc ils jouent un peu du jazz, ils jouent de la musique classique, ils jouent du rock, etc. avec l'architecture. Ce qu'on disait, oui. Oui, et notamment là, par exemple, sur Nancy, on n'en a pas parlé. On va travailler avec justement une lumière, avec des grands mâts, quatre grands mâts, qui vont venir justement moduler comme ça cette place qui est très très belle. Ouais, on en parlait avec André Rossino hier, effectivement, qui nous a montré tout ça. Merci à tous les trois. Je vous propose que nous les applaudissions. Je vous invite à regagner votre place. On a parlé architecture. Dans un instant, on va parler centres commerciaux.